Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Vous connaissez la célèbre citation « Je pense donc je suis » de René Descartes, qui suppose que l'homme, par sa subjectivité et sa conscience de lui-même, lui permet d'affirmer qu'il existe. Eh bien, nous pourrions ajouter en note, à côté de cette citation, une autre remarque suffisamment égocentrée pour être une pensée humaine. Je marche, donc je suis vivant. À travers ses découvertes scientifiques et philosophiques, l'homme a su se contempler, se comprendre et analyser son existence. Certes, des questions demeurent sur le grand mystère de la vie, mais il semble être satisfait par les réponses apportées par sa supériorité cognitive qu'il détient sur le reste du vivant. Mais en est-il vraiment si sûr ? Est-ce le seul à faire preuve d'intelligence, de construction, de stratégie et de développement? Non. En définissant le vivant par la mobilité, l'homme voit dans l'animal et dans son semblable la vie se mouvoir et se dérouler, mais il oublie qu'à côté de lui, une toute autre vie, largement plus intelligente, a colonisé 99,9% de la planète. Et oui, ce chiffre pourrait faire peur et nous faire ressentir une menace verte. Pourtant, grâce à elle, notre atmosphère s'est enrichie d'oxygène nous permettant de voir le jour. Vous avez bien compris, il s'agit des plantes, de l'intelligence des plantes. À cette annonce, deux camps, ceux qui l'admettent et ceux qui la réfutent. Alors laissez-moi avancer quelques arguments. L'homme perçoit les végétaux comme des éléments évolutifs. Il le remarque dans le cycle des saisons, au feuillage, aux fleurs, à la pousse, mais il les prive de vie et d'intelligence. Une intelligence telle que nous pouvons la concevoir dans la construction physique de notre monde. N'oublions pas que le végétal précède l'animal, à qui il a donné la vie par l'oxygène qu'il distribue et la nourriture qu'il procure. De par ce fait, contrairement à l'animal, il a évolué d'une toute autre manière, aussi son intelligence et son univers est tout autre. Même si aujourd'hui les récentes recherches scientifiques peuvent nous permettre d'affirmer que les végétaux sont intelligents, capables de choix, de stratégie, de communication sociale et bien d'autres compétences où l'humain connaît ses limites. Notre perception de la végétation est donc due à deux phénomènes. Le chemin choisi par la cellule végétale et la cellule animale est distinct et a donc créé deux mondes. Le végétal s'inscrit dans la durée et l'immobilité, alors que l'animal s'inscrit dans le mouvement et une temporalité réduite. Un exemple simple de notre culture anthropocentrique, dans la langue courante, est « végéter comme un légume », signifiant être inerte, vivant mais dans l'incapacité de l'exprimer, donc pour la plupart d'entre nous absent. Notre communication humaine passe par le langage, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Sachez que la flore possède les mêmes attributs et une dizaine de sens supplémentaires. Le végétal, par son immobilité, a dû au cours de son évolution mettre en place des stratégies pour survivre. Il dépend essentiellement du soleil, de l'eau et des minéraux disponibles. Il est capable de détecter le meilleur rayonnement solaire pour disposer ses feuilles. Il peut également dégager une odeur particulière, répulsive, attractive, de communication. C'est de l'intelligence. Ce qui nous dépasse également, c'est sa capacité à se régénérer. Nous parlons d'individu pour les humains, du latin individuum, qui signifie indivisible. Nous n'avons pas la capacité de perdre un bras et de le voir repousser. Contrairement à l'animal, le végétal n'a aucun point stratégique comme pour nous le cerveau. Chaque cellule est autosuffisante et possède en son sein le nécessaire à sa reconstruction. Cela dépasse notre entendement, mais il s'agit d'intelligence. Pour revenir sur nos sens, les plantes les utilisent aussi.
Bien évidemment, il ne faut pas imaginer un nez, des yeux ou encore des oreilles, mais plutôt une surface recouverte de cellules ayant toutes ses capacités. Rappelez-vous, les plantes n'ont pas de point névralgique, tout est distribué à l'ensemble des cellules. Les plantes perçoivent la gravité, le vent et même leur position qu'elles peuvent corriger. Cette récente étude scientifique qui fascine a été réalisée par des chercheurs de l'INRA. Vous pouvez même la réaliser chez vous, puisqu'en soi elle est assez simple. Il suffit de prendre un pot de fleurs avec une plante encore petite, et plutôt que de le poser à l'horizontale, vous le disposez à la verticale sur un mur. Bien sûr, au préalable, vous aurez mis une protection sur le pot pour éviter à la terre de tomber, comme un tissu avec un élastique, et un petit trou pour laisser la plante sortir. En très peu de temps de croissance, vous allez constater que la plante d'elle-même se rééquilibre, plaçant sa tige droite, pointée vers le ciel. D'où la conclusion de sa perception de la gravité. Bref, ces chercheurs, comme beaucoup d'autres à l'heure actuelle, font tomber le mur que notre civilisation occidentale a dressé depuis Aristote entre les animaux sensibles, capables de mouvement et actifs, et les plantes seulement capables de végéter. Au cours de l'humanité, de nombreux penseurs ont suggéré cette intelligence, comme Darwin, qui disait « Je me suis toujours plu à accorder aux plantes une place de premier plan dans l'ordre du vivant ». Il disait également qu'elles manifestaient un degré d'évolution étonnamment avancé. Cette intelligence d'adaptation et de vie sociale des plantes ne s'arrête pas à leur sens individuel mais va bien au-delà. Comme il a été prouvé par les scientifiques que les arbres communiquent entre eux et s'entraident par le réseau racinaire et d'autres moyens, nous pouvons observer dans le règne végétal une mise en réseau. J'entends par là une mise en commun du but premier de l'évolution, se maintenir en vie. Nous pourrions assimiler cette communication végétale à notre réseau internet qui nous permet de communiquer à l'échelle mondiale, donc à l'ensemble des humains. Si nous reprenons Darwin et sa pensée sur la supériorité de l'intelligence végétale dans son organisation sociétale et sa communication, lui permettant de se maintenir en vie au fil des millénaires, comment pourrions-nous croire que nous sommes correctement aboutis au niveau intelligence ? Au moment où des changements climatiques drastiques nous secouent, comment l'humain peut-il déclencher cette même capacité d'adaptation que le végétal qui peut se réduire à une seule cellule et se reconstruire au moment propice? Le récit collectif qui a guidé l'humanité dans son évolution est essentiellement basé sur les religions et sur l'étude de l'évolution biologique de la Terre. L'homme est le dernier arrivé pour les premiers, il s'agit de la dernière création ou de la dernière perfection. Et pour les seconds, il s'agit d'une branche de l'évolution des grands singes. Ces deux visions, vous l'aurez compris, sont anthropocentrées et non inclusives. L'homme s'est extrait de la nature au niveau théologique pour mieux prôner sa supériorité sur le vivant. Rappelez-vous de Noé et de sa fameuse arche. Avez-vous vu Noé sauver des couples de plantes avant le grand déluge? Non. Le végétal est absent. Seuls les animaux sont considérés comme vivants auprès de l'homme. Pourtant, une fois le déluge terminé, Noé envoya une colombe pour savoir s'il pouvait reposer pied au sol. Il la vit revenir près de lui tenant un rameau d'olivier, lui signifiant que l'eau avait disparu. Ce message invitait donc Noé à revenir s'installer sur la terre. Ici, le végétal reprend sa place primordiale de nourriture pour l'homme. Ce récit démontre la semi-conscience de l'homme sur la vie et l'importance des plantes qu'il omet de sauver du déluge. Un autre point de vue est celui des scientifiques. Nombre d'entre eux ont fait de sacrées découvertes en effectuant des expériences sur les végétaux. Étonnamment, vous constaterez que leurs travaux ne seront récompensés que des décennies plus tard, une fois que l'expérience sera faite sur l'animal puis sur l'humain. Ce dédain des plantes les ramenant à une simplicité inutile pour l'homme a fortement changé aujourd'hui, puisque même les neurosciences s'intéressent de très près à la complexité des plantes qui, contrairement à nous, ont une capacité étonnante d'autonomie, de régénération et de communication encore inconnue. J'ai déjà dû vous parler de Francis Allais, un extraordinaire botaniste, amoureux et émerveillé par le monde végétal. Il a étudié à travers le monde, comme dans des canopées en Amazonie, et c'est avec une parole très sage qui nous donne quelques indications sur l'homme et les plantes. Voici ce qu'il nous dit. Chasser l'animal pour le tuer confère du prestige, mais il n'y a pas d'éloge à attendre pour avoir détruit une plante.
incapable de fuir et de se défendre. Pour Pierre Lyotadji, cela remonte aux origines de l'espèce humaine. À Lascaux, déjà, on ne voit rien de végétal. L'animal roi semble occuper tout l'espace. Et pourtant, c'est bien l'herbe qui fait le renne et le roc. C'est seulement que la plante ne prête pas gloire, qu'on ne la vint pas dans des périls, rien pour la mémoire des exploits. Il nous dit également que les plantes sont presque partout d'une extrême banalité, et c'est pourquoi il prétend qu'elles nous sont trop familières pour que nous leur accordions une attention suffisante. Comment les admirer alors qu'on les voit chaque jour, à la même place, année après année? Leur omniprésence et leur ubiquité les desservent. On ne les aime vraiment que lorsqu'elles ont disparu, et c'est la raison pour laquelle les citadins en raffolent. Voyez les balcons chargés de pélargonium, leur appartement où les philodendrons disputent la place aux Diefenbachia. C'est dans les grandes villes que des fleuristes parfaitement honorables font leurs affaires en vendant des pots de jolies mauvaises herbes exotiques. Et il nous dit une dernière chose, c'est que la modestie devant les arbres s'impose dans tous les domaines. Ne nous y trompons pas, à notre époque où triomphent les technosciences, nous sommes tout à fait incapables de construire un édifice qui aurait les mêmes propriétés technologiques qu'un arbre. Alors après ces réflexions, et si l'humain n'était qu'une ébauche d'une nouvelle perfection se mettant en place, similaire aux plantes, autonome et connectée? L'évolution humaine, avec ses gloires, ses échecs, ses répétitions cycliques, est arrivée à un point où ces mêmes répétitions sont aujourd'hui à échelle globale, avec un impact sur l'ensemble des humains. Aussi, nous pouvons sentir une fin qui s'approche comme un nouveau commencement qui arrive. Et si l'homme, pour atteindre la perfection qu'est le monde végétal, devait lui aussi se résoudre à créer le réseau nécessaire à son maintien en survie? Si l'étape finale n'était qu'une petite humanité, recommençant son évolution sur le modèle des plantes, en coévolution régulatrice et correctrice, mais toujours dans le sens de la vie et plus jamais dans le sens de la destruction. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, Green, Green. Tu vois? Mais tu vois le Green, Green, absolument Green, Green, Green.